Soyez la famille. Affaire Coco et Emilia. Vous voulez sortir les influenceurs et les influenceuses. Il faut avoir le cœur. Qu'est-ce qui se passe entre Coco et Emilia? Qu'est-ce qui se passe dans le couple Coco et Mila? Amère Camelo, il me trouver. J'ai voulu me trouver. Partagez-moi le live. Maintenant, on entre dans la vie de Coco et Milia. excusez Musique de mer. On va pas tout louper, hein? Biscuit. Partagez le live. C'est Coco Emila qui prend le njange. Tu pensais que c'est seulement ce aux autres filles qui faisaient ça? Mmh. Salut toute la team. Salut, salut, salut. On parle de l'affaire Coco Emilia. You know? Quand vous sortez à la blogueuse, il faut savoir à qui vous avez affaire. Sortir à une blogueuse n'est pas facile. C'est un mariage au Maroc. Donc, ce qui pense c'est vous voulez divorcer. C'est parce si vous voulez divorcer que la loupe... marie au Cameroun. Je peux pas choisi le Maroc. Mm. Bon. Partagez le live. Voilà vous commencez en vous disant ceci. Vous qui voulez sortir avec nous. Il y a un y a un, un code à respecter. Toi, la fille qui veut sortir avec un influenceur. Pour avoir cœur de ça. Mm -hmm. Faut avoir cœur de ça. Toi le garçon qui veut sortir avec une influenceuse, faut te préparer psychologiquement. Vous pensez que on est, là, on est des enfants de cœur, <coughs> surtout les gangs Vous qui sortez avec les blogueuses, les tiktokeuses, là, ce sont des pimentiers Au paix. Ils a vous donner le dress code? Quand tu sois avec une, une blogueuse, que ce soit TikTok, WhatsApp, Insta, tout ce que vous pouvez imaginer. là. si tu penses que tu sors avec la Vierge Marie, ben tu te trompes. Tu te trompes. Mm -hmm. Et surtout les relations là où l'homme en il n'a pas mal vous êtes TikTok. Ça a duré combien de temps quand vous aimez le buzz, normalement, le buzz de ça. Maman la doute. Avec tout ce que le gars a douté, il n'a pas signé pour les gamins. Vous pensez que le gars est d'abord beau. Le gars est beau. Il est su qu'il est frais. Il est su que le gars est sûr de sa fraîcheur. Ce n'est pas ce qu'on raconte. Il est sûr de sa fraîcheur. En plus, c'est un gentleman. Donc, ce n'est pas le genre de gars qu'on va blaser. Parce que les gars comme Coco, le gars en a plein. Les gars comme Coco, il a plein. Plein pour. Je sais. Il a plein. Un homme. Quand tu sors avec star Et que tu n'habites pas avec. Oublie. Oublie. Basta ri. Onga patagé. Je viens manger mon dernier truc. Après on lance. Vous pensez que le gars là? Il aimait trop Coco. Bien qu'il aime trop Coco. Vous pensez que le aime trop là Quand toi-même, tu es conscient de toi, tu regardes Coco, tu regardes ce gars, on vous a dit qu'ils sont compatibles. On vous a dit qu'ils sont compatibles. Il ne dit pas que Coco est laide. Je ne dis pas que Coco est laide. Non. C'est que ce gars, les gars comme Coco, il en a plein. Le gars a trop de coquilles à détacher. Le gars a trop de coquilles. Il a trop de coquilles à détacher. Non, parlons sérieusement. Coco, c'est ma soeur camerounaise. Quand tu regardes un gars comme Vimba, on va dire que Coco, c'est la seule qui là. Qui l a connu. Des gars comme ça connaissent. Pardon. Des bombes. Elle dit que si tu comptes même Coco, c'est l'une des plus légendes qu'il a eu. Mm -hmm. Je vois mes sœurs venir attester, venir se plaindre que vous, oui, on est derrière notre sœur. Vous êtes derrière quoi par un peu, un bien. Quand toi-même tu regardes la relation de ces deux personnes, attendez. Quand tu regardes cette relation, est-ce qu'ils sont compatibles? Non, dites-moi vous-même, est-ce qu'ils sont compatibles? Regardez-vous-même. Ils ne sont pas compatibles. Il n'y a aucune compatibilité. Tu sens d'abord que lui, là, c'est le genre de joker. C'est d'abord un tombeur. C'est que les galos, il y a d'abord le feu sort. Le feu sort. Quand on dit aux femmes ici, il faut accrocher votre salle, vous pouvez prendre ça. Vous sortez pour le nom, non. Vous, les femmes, je m'adresse à vous. Vous voulez sortir avec les gars qui vous dépassent toujours qui ne vous dépasse même pas un peu. Hein, mais vous voulez sortir avec un autre niveau de gars. Mon frère, ma soeur, toi qui me regardes, partage le live. Partage ça. Oh, Partagez ça bien. Parce que ce qui si est arrivé là, n'est pas bon pour vous. Partagez. Quand on parle que des blogueuses vendent le piment là-dedans, vous pensez que c'est les blagues. Blogueuse chanteuse. Dans le milieu événementiel. Blogueuse chanteuse. Maman, Des pimentiers européens. Moi, c'est parce qu'ils ne voient pas. ne vois pas? Citez-moi le nom d'une blogueuse qui ne vend pas le piment. Citez-moi le nom d'une blogueuse qui ne vend pas le piment. Parlons peu, parlons bien. Citez-moi le nom. D'une seule blogueuse qui ne vend pas le piment. Il y a piment et piment. Il y a blogueur et blogueur. Quand toi tu t'en rends, quand toi tu sors avec une blogueuse, tu peux rivaliser avec un crypto millionnaire. La fidélité d'une blogueuse, la fidélité d'une blogueuse, c'est comme les larmes et les diamants, invisibles. La fidélité d'une blogueuse, c'est comme les larmes du diamant. Tu as fait comment pour voir ça? Aucune blogueuse n'est fidèle. Aucune. Vous savez la jambe qui circule. Hum? Si tu as ta copine blogueuse, allumez les inbox. Tu vois des larmes aux yeux. Prenez vos copines, je m'adresse à tous ceux qui sortent avec les blogueuses. Et je parie qu'aucun des gars qui sortent avec les blogueuses, personne n'a le numéro WhatsApp. Artistes, écoutez bien, hein. on a souvent l'habitude d'accuser Lady Ponce. Dans le game, Lady Ponce à la maternelle, dans le game des chanteuses. Dans le game des chanteuses, parce que nous avait dit que oh, c'est matelas national. Si les chanteuses sont des matelas nationales, les blogueuses sont des autoroutes nationales. C'est-à-dire que c'est la, la nationale trois doigts la Yaoundé. C'est-à-dire que les blogueuses camounaises, on les appelle l'axe lourd. L'axe lourd. 90% des blogueuses camounaises ne travaillent pas. Je parle de ceux qui sont au Cameroun. 90% ne travaillent pas. Elles ont quoi comme métier Le piment. Le piment. Ce que Malox a dit, c'est ce qui est la vérité. Regardez le travail des blogueuses, masseuses, esthéticiennes. Je ne sais pas si Coco est dans la même gamme, mais n'est n'a pas dit qu'elle fait ça. Il dit seulement parce qu'elle a quand même les relations au pays, on peut m'arrêter. Donc, il faut que mesure. J'allais qu y a un genre de clash qui est gros, mollo, mollo. Mais pour ça, la, la plupart des blogueuses camerounaises sont des vendeuses de piments. En mettant une façade comme quoi, je fais les ongles, je fais l'institut de beauté, je fais... Ainsi. Vous savez ce qui se passe là-dedans Il n'y a pas une partout qui se passe là-dedans, qu'il n'y a pas une artiste là-dedans. Je ne connais pas une artiste camerounaise qui n'est pas dans la prostitution. Je ne connais aucune j'ai cité, cité le nom de personne. Je n'ai cité le nom de personne. N'allez pas mélanger. Partagez le live. On est en train d'entrer dans l'introduction. avant de tomber dans le plat de résistance. Le plat de résistance, c'est. C'est-à-dire les, que les, les failles. La relation de Coco. Mais avant on va parler. Les TikTokers camerounaises, là. Les TikTokers camerounaises, là. Les snappeuses camournaises, les Instagrammeuses, là, les Facebookeuses, toutes ces filles que vous voyez là, des pimentières paix, il n'y a pas leur deux, il n'y a pas le, Ce sont des dix. Avec dix mille, tu en fonction de la visibilité. C'est-à-dire que si une blogueuse camerounaise a ses dix mille vues, a ses... non, a ses dix mille followers, son piment, c'est peut-être. Elle va faire le piment de Fab Colo. Le piment de Fab Colo, Kolo. Quand une blogueuse atteint déjà les 50-100 000 vues en montant, mon frère, le piment drape. Le piment drape. C'est comme les artistes qui chantent là. La plupart des organisateurs de soirées niaissent des artistes, un gars. Qui, qui, vous pensez que quoi Quand tu entends un artiste et tu dis que ça, c'est mon manager, on vous a dit qu'il est manager pour rien. Il écrase l'artiste. Mais les blogueuses ont copié ça chez les artistes. Vous parlez de quoi Il y a des vérités que vous ne voulez pas qu'on vous dise. Il y a des vérités que vous ne voulez pas qu'on vous dise. Vous pensez que la prostitution a commencé aujourd'hui La prostitution artistique camerounaise, africaine a commencé y depuis la nuit des temps. Les chanteuses africaines ne vivent que de la prostitution. J'ai parlé. J'ai des amis chanteuses. Hein? Aujourd'hui, on va parler de la relation de Coco et Milia. Femme qui précise bien que Coco Emilia. On va parler de la relation. Mais avant d'entrer dans la relation de Coco Emilia, il faudra que vous, je vous regarde d'abord la vérité. Toutes les chanteuses camournaises, il n'y a aucune chanteuse qui peut mettre la main comme ça et poser toute la Bible qu'on est fidèle. Aucune, je vous dis. La plupart des femmes qui ont valorisé la fémania au Cameroun, ce sont les chanteuses camournaises. Vous parlez de quoi Ce sont les chanteuses camournaises. Les Kinyas, les chanteuses camounaises, les blogueuses camournaises, ce sont les femmes. Maintenant, ce sont les skamas qui gnassent tous les blogueuses. Skarma, ça veut dire quoi Les Ivoiriens appellent skamas. Karma, ce n'est que des bandits. Pour ceux qui ne connaissent pas le, le terme skama, skama, c'est un chaman. Skarma, encore appelé un autre nom. En Côte d'Ivoire, un skama, c'est un brouteur. Au Niger, on les appelle les skamas. Mais au Cameroun, on les appelle les chaman. Les, on les appelle encore les brouteurs Ce sont des voleurs informatiques. Ce sont des gars qui trafiquent les cartes bleues. Ce sont des gars qui sont dans tous les trafics que vous pouvez imaginer. C'est ce qu'on les appelle les scammers. Ce sont les gars qui nient toutes les blogueuses. Partagez-moi le live Donc, avant d'aller sur l'affaire de Coco et Mya, partagez, partagez. On n'a pas encore atteint le nombre. On n'a pas encore atteint le nombre. Celui que son dossier est sur mon téléphone, il va m'excuser. Il va m'excuser. Mais, je suis obligé de prononcer son nom. On va aller ça où ça va aller. J'ai dit, là, tu sais que son nom est dans mon téléphone. Il va seulement parler, il va verser ça. Donc, partagez le live. On continue. Vous pensez que. Mettez-moi la sauce là, mettez-moi la marronnette, mettez-moi mettez l'eau dans le tapioca. Le tapioca ne gonfle pas trop. On a encore bloqué à 600. On a encore bloqué à 600 personnes. Mettez-moi l'eau dans le tapioca là. Envoyez ça chez tous les artistes. On connaît seulement parler de. Les gens savent seulement dire que. Oh, Lady Ponce. Lady Ponce. Quand c'est pour Lady Ponce, tout le monde vient. Maintenant, quand c'est pour tout le monde, on va pas parler. Il n'y a pas que Lady Ponce. Que les gens disent, oh, oh, oh. comme Coco, eh, Coco Lago avait dit, elle dit pense il n'y oh, a, a pas que Coco Lago. Qui a les secrets. Dans mon téléphone, si, là, 12 Pro Max, il y, y, y a. que. Oh, les gars qui ont mis des autres blocs, on m'a se baissé Je ne sais pas. on a dit au gars qu'Amer Kamen, c'est le sacrifié du Cameroun. Si tu as un dossier que les autres, on peut envoyer ça là-bas chez Amer Kamen. Lui, lui, pour lui, je vous dis d'abord, et je vous mets d'abord en garde, quand on va m'arrêter. Quand on va m'arrêter, il faut que vous veniez me donner à manger. Toi qui m'as envoyé tous les voices, toi qui m'as envoyé tous les voices, quand on va m'arrêter, il faut aussi venir. De toute façon, c'est clair, c'est là. Je vais faire écouter les voices de toutes ces blogueuses. Ce sont des conversations strictement personnelles. Où tu vois comment la blogueuse discute le piment. Où tu vois comment la TikTokuse dose le prix d'une torte. Oh, moi je ne peut pas parce que tel artiste pas dit que tu vois dans la conversation la blogueuse dit que non je ne peux pas parce que tu avais donné tel artiste 800 000 donc tu peux pas qu'on niasse tu donnes de toi tu viens me gnasse tu si me donner 100 000 voilà les conversations vous allez wanda vous qui sortez avec les tiktokuses les blogueuses là ce qui vous attend parce que chez nous les garçons le piment est rare tu -même, vois même voir ça hein? tu peux faire les pompes comme tu veux les gars ne viennent pas elles ne viennent pas parce que tout le monde sait qu'il n'y a pas l'argent dans le milieu dans le game il n'y a pas l'argent il n'y a pas l'argent dans le monde de la visibilité qu'on ne vous manque pas qu'on ne vous manque pas il n'y a pas l'argent dans le game de la visibilité parce que la plupart des gens qui sont dans les réseaux sociaux ne travaillent pas les tiktokers ne travaillent ce sont des vendeuses de piment au pair. tous ces blogueuses en gros, on va dire tous ceux qui sont dans le milieu de l'événementiel regardez leur métier coiffeuse elle fait le massage, elle vend les perruques. Elles sont toujours dans ce rayon-là. Pour justifier le prix d'une tote. Ben oui. Pour justifier le prix d'une tote. Quand Malor s'a dit la dernière fois que tous ceux qui vont à Dubaï, Malos, tu vas à Dubaï. Dubaï, c'est loin. Dubaï, c'est loin. Toi, tu pars à où Tu pars à Dubaï. On est au Cameroun. Douala, des Bafoussam, Tchambé, Toi, marois Mandoumba. Ces petites TikTokuses que vous voyez là, ces petites vendeuses de piments ambulants, je vous mets un test. Et je vais vous expliquer même comment ça se passe. La plupart, dans le milieu artistique camerounais, la plupart de ceux qui financent les albums des Nias tous, paris, Vous les offrez maintenant. La plupart. Je dis bien la plupart de ceux qui financent, la plupart, tous les hommes d'affaires, on a toutes les chanteuses camerounaises. vous laissent. Je vous dis, c'est pas on a dit. Je vous dis ce qu'il y a niais. Deux fois les chanteuses que vous n'imaginez même pas. Voilà. attends, il met la casquette. Demandez. Demandez. On va vous josser les vérités là. Comme on dit toujours que c'est seulement que pour les autres. Il n'y a que Lady Ponce qui fait ça. Il n'y a que les voix de Lady Ponce de Okoro. Il n'y a que les voix de Lady Ponce avec Oko Emile, avec Koko Lago. Non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Tous les métiers événementiels au Cameroun, toutes ces gosses sont des waka. Au sens strict du terme. Toutes ces gousses sont des waka. Au père. Au père. Elles ne dosent pas seulement. Tous les hommes d'affaires camounais ont tous les artistes camounais. Il n'y a pas une artiste camounaise qu'un homme d'affaires n'a pas marché dessus. Il n'y a pas une artiste camounaise qui peut se lever et dire qu'un homme d'affaires ne marche je pas. Je me mets vraiment au défi. Qu'une gars lève et dit qu'un homme d'affaires ne m'a pas gnas au Cameroun. Je vous parle des hommes d'affaires. Je ne suis pas encore entré dans le, dans, dans le collimateur des directeurs de société. Dans le, oh, des, des ministres. Je ne parle pas. Attendez, je vais vous d'abord mon affaire ici. Si. On le plan prendre le feu. Partagez, dit donc, oh, 800 personnes seulement. Mettez-moi l'eau dans le tapioca. Le café ne gonfle même pas, mon frère. C'est les risques qu'ils prennent hein? pour mettre les voix là-dehors. On a envoyé ça à tous les blogueurs, ils ont refusé. Moi, même quand même, le croque mort, celui qui défie tout. Celui qui défie tout. Mettez-moi l'eau dans le tapioca. Il veut voir ça gonfler. On a ça, gonf ça gonfle jusqu'à 800 personnes seulement. Mettez-moi l'eau dans le tapioca, là, que le tapioca là puisse gonfler. Ça, c'est le vrai tapioca, tapioca, manioc. On parle de quoi Mettez-moi l'eau là, on en arrive à mille. Vous, c'est... Ayez l'habitude de partager. Quand on dit partager, là, partager. Oui. Matin, congo satite, le soir, c'est... Le matin, on commence parce que dans mon commencement. qui ça ne vous josse à l'éviter que ça vous josse. Il y a certaines personnes qui sont en train de travailler. Ça veut dire que quand il est juste, il qui m'a dit que ma mais, mais c'est qui dit la raison. On continue. Je mets tous les artistes féminines au défi que celle qui n'a pas encore couché avec un homme d'affaires ou un directeur au Cameroun lève son doigt et son dossier sort parce qu'il a la liste de tout le monde là-dedans, la liste de tous ces artistes qui ont affaire. Maman, Langa parlé avec tous les noms. Langa parlait avec tous les noms. Je dis, il n'y a aucune. Il est mot défi. Qu'une soeur ait fait le live, que moi, je n'ai pas encore couché avec un homme d'affaires au Cameroun. Je voir. Tout parler de quoi Malok, c'est que Maloc, ça dit. Malok a seulement frôlé. Malok ça a frôlé un peu. Maloc, c'est parti à Dubaï pour faire quoi Maloc, c'est parti pour parler des artistes qui vont à Dubaï. C'est parce qu'il fuit la réalité qu'il connaît au Cameroun lui-même. Vous pensez que... Vous pensez que quoi Une tiktokeuse et une artiste camerounaise vendent le piment puisqu'elle est gars du trottoir. Une artiste camerounaise peut niaiser trois clients en une soirée. Vous parlez de quoi Vous parlez de quoi Une blogueuse peut niaiser quatre clients de 200 000 en une soirée. Vous parlez de quoi la, plus, la, plus, la prostitution moderne, c'est les réseaux sociaux. Moi, je ne vois pas seulement. C'est pour ça que Josh. Vous parlez de quoi? Quand l'homme d'affaires appelle Langapou, dit que pardon, passe dans mon bureau, j'ai envie que toi et moi, on ait un partenariat. Là, vous, parlez, vous parlez que c'est quel genre de partenariat? Vous pensez que c'est quel genre de partenariat? Vous-même, je, je vous pose la question là. Vous pensez que c'est quel genre de partenariat? Non, on parle parce qu'on connaît la réalité. Du, je vous dis, hein. <laughs> oh. Je dis, à partir. Tous les artistes Nga qui sont encore vivantes. Comme je vous parle là, celles qui tentent de livrer la voix, je mets le voice dehors. Je mets le, là, je vais mettre les voix où on détermine leur, leur façon de waka. Je vais vous expliquer comment les artistes vendent le piment. Et après, maintenant, on va revenir sur le gros dossier. Biscuit des mers On va revenir sur le gros, gros dossier. Mais je vous montre le réseau comment les artistes féminines vendent le piment. Vous pensez que quoi Posez-vous d'abord une seule question. Pourquoi il n'y a que les artistes qui explosent et les hommes n'explosent pas Ça là, va vous dire beaucoup de choses. Parce que quand vous voyez ces artistes féminines-là, entendez dire que oh, l'avantage, là où elles se trahissent la plupart des temps, c'est que les artistes féminines citent le nom de tous les niaceurs dans, les, dans le. Ouais, dans leur chanson, maintenant, elles citent le nom de tous leurs Ignasseurs. Oui, euh, j'envoie une donne dédicace à ma mère, camère là-bas. Oui, ça dit qu'à ma mère, ma Ignasseur a donné le riz. Vous pensez que pourquoi les artistes là, elles alignent les morceaux, elles enchaînent les morceaux Parce que dans une chanson, la gagne t'aute au moins 15 fois. Vous pensez que le boulot est facile c'est que le boulot est facile. Quand un gars appelle un directeur que oui, oui, je suis l'artiste tel, j'ai préparer mon album. Ouais, grand frère, est-ce que tu ne peux pas me sponsoriser Le directeur de société dit Ok, bon, ma fille, bon ce qu'on va faire, c'est que euh, est-ce que tu peux passer au bureau vers 23h pour qu'on essaye de parler, de voir comment on peut. accepter quand le Quand, quand, quand le ministre ou le directeur de société ou l'homme le, 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 d'affaires. Par le directeur de société, le ministre ou l'homme d'affaires, je parle des vrais hommes d'affaires. Et des femmes appellent l'artiste la pour dire que bon, passe à 23 h D'après toi, tu penses que quoi L'artiste la note qu'à 23 h je serai dans tel ministère. Ok. Mais avant 23 h est-ce que si est quelqu'un. Par contre, s'il y a un film en tout temps qui parle, oh, c'est comment Non, tu es back. Oui, oh, ça se passe comment là-bas Oui, que j'ai envie de produire mon album. Tu sais que bon, je comptais quand même sur toi quand tu m'as sponsorisé la dernière fois. Le film va dire que bon, écoute. Euh, tu peux passer à la maison vers 15h. Non, ne passe pas à la maison. Bon, j'ai un rendez-vous à l'hôtel, euh, au nouveau hôtel. Donc, est-ce que tu peux passer au nouveau hôtel comme ça Ok, il n'y a pas de souci. Le féminin donne rendez-vous à l'artiste à l'hôtel. Vous pensez que l'artiste va faire quoi à l'hôtel À 15h. Avec le féminin. L'artiste sait que non. L'artiste féminine sait que je gnasse d'abord avec le féminin à 15h. Je m'avais fini avec le ministre à 23h. Mais oui! Vous pensez que quoi pour vous dire même encore vrai, si vous voulez savoir le nombre je vais vous donne un, un secret très simple elles ont tous les mêmes clients et se discutent les clients certains artistes même c'est les maris qui les envoient chercher la pousse ce sont les maris même qui envoient leur femme aller se prostituer oui on connaît on connaît qui est qui dans le game gonflez-moi le tapioca là, je veux voir mille personnes là. Mettez-moi l'eau dans le capot. Mais vous, vous, vous avez un problème de partage. C'est moi qui gongata, hein, ce n'est pas vous. C'est moi qui va gongata, ce n'est pas vous. Donc pour la... C'est-à-dire que si vous ne partagez pas seulement, maman c'est la cotisation pour ma sortie de prison, que vous, que vous, avez n'est C'est-à-dire que vous avez du mal à partager. Vous avez du mal à partager. C'est ma cotisation pour la prison que vous, vous, vous allez payer la femme qui va commencer à déclencher le dossier de Coco et Mirazi, sans que ce qu'elle va me blinguer. Vous parlez de quoi Est-ce que vous connaissez avec qui les artistes féminines Agnès? Je n'ai pas peur des femmes, ça je vous dis. Mais les artistes féminines camerounaises, elles me font peur le feu sort. Parce qu'elle est, est, est capable d'aller donner le coquille à un juge. Le gars, elle me condamne sa femme. Vous blaguez. Vous blaguez même. Périca quand il faut partager tu ne partages pas attendez comment ça fait chaud j'ai mis le dharma passé à la maison je mets le dharma à la maison partager le live dis donc Bon Vanna tu regardes, tu envoies ton frère et vous montrer comment ça marche et que malox ah, 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 Oui, c'est ma sonnerie. Oui, c'est ma sonnerie. Chacun, chacun, chacun a le droit de mettre la sonnerie qu'il veut dans son téléphone. Chacun a le droit de mettre la sonnerie qu'il veut dans son téléphone. Ne, ne venez pas. Chacun ses oui, oui. On continue. une, une il dit que, la plupart des artistes camerounais mariés. C'est les maris qui envoient. Je vous dis comment ça se passe même pour encore être plus clair. La plupart des chanteuses camerounaises qui vendent le plus de piments, c'est celles-là qui sont mariées. Mm -hmm. Les chanteuses camerounaises qui sont mariées le plus, la plupart du temps, c'est celles-là même qui se prostituent le plus. Oui. Parce qu'il y a un, un gibier qui arrive. Elle coûte beaucoup plus cher. Parce que le fait qu'elle soit mariée, c'est tout le monde qui veut les gnasses. Il dit, hein, la, comme je suis en train de parler, l'artiste camerounais, s'il va essayer de lever la bouche pour dire qu'elle ne vend pas le piment, je mets son dossier dehors. Je mets ses voix dehors. Il dit, c'est moi qui vous parle. Non? On quitte maintenant, on arrive maintenant sur l'affaire des TikTokers. Au Cameroun, les, les, les filles, les les C'est-à-dire, si tu veux, Nias, entrer dans un TikTok, tu dis coucou, bon, j'aimerais faire un partenariat d'affaires avec toi. Ta, 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 tu écris. Pam, 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 pam. Tu attends. Tu ne même pas attendre deux heures. Deux heures, même là, c'est trop. Faites le entrer dans un TikTok. Vous, vous écrivez seulement. Pour l'instant, je ne prends pas les vidéos en communication parce que vous n'avez pas le couille comme moi de finir par comme je parle. Vous n'allez pas profiter de mon live pour aller. Non, 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 non. Je vous dis comment on fait pour Nias, une TikTokuse Pour Nias une TikTokuse, c'est très simple. Entre dans ces lives, vous écrivez que oui, je veux faire un partenariat avec toi. Est-ce que tu es disponible Ça m'intéresserait bien parce que j'aime ce que vous faites. Bam, tu as la finie. Tu restes tranquille. Elle va te contacter à Nibé. Oui, j vu, elle va te recontacter comment Oui, j'ai reçu ton message. Écoute, c'est quel genre de partenariat Oui, je suis en train de sortir un produit là. J'aimerais qu'on se rencontre pour pouvoir parler de ce produit. Voilà comment la TikTokuse va débarquer sexy le feu sort. Toi, tu arrives là, tu donnes rendez-vous à l'hôtel. Les TikTokuses ne refusent jamais les rendez-vous d'hôtel. Jamais. Elles savent ce qui se passe. Certaines TikTokuses même te demandent que non. Au lieu d'aller à l'hôtel, viens dans mon institut. Périca. Vient dans mon institut. C'est ce que la va te dire. Parce que la plupart des Titoqueuses sont des boiffeuses. La plupart des Titoqueuses ont des instituts. La plupart des Titoqueuses sont toujours dans un métier qui tourne autour du corps. La plupart des Titoqueuses ont toujours un métier qui tourne autour du corps. Vous parlez que quoi Maman, si on doit demander l'impôt, on commence d'abord dans le wakaïsme. Vous parlez que quoi mini c'est rien. Vous me parlez de wakaïsme, mini-ferme. Le prix de mini-ferme a chuté à 500. Avant, pour niaiser à 500 à mini femme il fallait venir à 4h du matin. Aujourd'hui, à mini-ferme, tu a 500 à, à 23h, tu niaises à 500. Regardez d'abord le décalage là. Qu'est-ce qui fait que le prix de mini fait a chuté C'est parce que les TikTokers prennent les dos. Les big, big dos en plus. Je vous dis, prenez les TikTokers populaires que vous connaissez là, que j'ai les voix là-dedans. Les TikTokers populaires. Vous les écrivez que vous avez des projets. Quand vous entendez, quand, 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 quand ils regardent, tu manques de dedans. Elles savent que c'est Nias, le code de ces projets. Quand vous voulez, on peut faire ça ensemble. Mais beaucoup, on va les arrêter. On peut faire ça ensemble. En direct, là, là. Eh, mon TikTok est là-dedans. J'entre dans TikTok. Moi, je me connais déjà. Bon, Moi, moi, c'est grillé. Je vous modifie. Quelqu'un anonyme entre dans TikTok. Tu écris j'aimerais avoir un partenariat avec toi. Est-ce que tu es disponible Donne-moi tes disponibilités. Tout, 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 tout. Quand tu arrives, tu commences à parler avec l'anga. L'anga, au début, elle est timide et tout et tout. Là, maintenant, tu es en train de draguer. Après, tu vas dire à que bon, ça fait combien alors juste par rapport à notre part C'est l'anga qui va te manger. Elle va te dire qu'elle une... est née. Tu... Les TikTokers, tu peux les gnas le premier jour. Le premier jour, tu peux les gnas. Vous parlez de quoi Qu'est-ce que Malor, ça dit Malor, s'est allé loin pour dire que Dubaï. Il ne pouvait pas dire qu'il y a au pays parce que c'est là, c'est à faux au pays. Vous parlez de quoi C'est comme ça qu'on niaise les tiktokuses les facebookuses toutes ces petites, ces petites, 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 petites filles qui sont là. Alors, on, dit, on dit que, on oh, dit que, les influences. Toutes les influences, camounaises vendent le piment. Voilà l'autre qui parlait, non Voilà votre soeur, euh, l'étoile cribienne, qui se moquait des gens en disant que, oui, on doit travailler. Résultat des courses, l'étoile cribienne fait quoi L'étoile cribienne fait quoi elle est Jusqu'à l'appel de Natasha de Monaco pour laisser ça. Jusqu'à les voix, ça arrive. Vous pensez que... Vous pensez que... Ce n'est que chez les autres que ça se passe. Je dis et je répète. Toutes les blogueuses africaines vendent le piment. 99%. J'ai dit 99% des blogueuses africaines, ce sont des bordels. Allez leur dire ça. Et les plus grosses bordelles sont ivoiriennes. Les plus grosses bordelles sont ivoiriennes. Vous parlez de quoi Le syndicat de la prostitution des réseaux sociaux, c'est la Côte d'Ivoire. Les camounaises arrivent souvent à tenir parce que le Camerounais a mauvaise bouche. Le Camerounais a mal bouche. Souvent... Mais le syndicat de la prostitution virtuelle, c'est le... la Côte d'Ivoire. Les plus grosses blogueuses, les plus grosses vendeuses de piment, c'est les blogueuses ivoiriennes. Elle se bagarre, elle se tape même à Dubaï pour discuter les clients. Vous parlez de quoi C'est quand on va, c'est quand, c'est quand euh, euh, comment s'appelle encore C'est quand Malo va dire que Cameroun, Non, Malo ça même mal parlé. Malo, ça, tu as, tu as frotté le petit. Tu, dis, tu n'as pas frotté le plus gros, 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 gros. Vous pouvez, comme je vous, de la manière comme on drague les Tiktokers, c'est comme ça qu'on drague les blogueuses. Entrer dans la pour les Ivoiriens, alors ça va vite, vite, vite. Ne regardez pas la propriété des artistes ivoiriennes. Ce sont des vendeuses de piment. Les en plus, les blogueuses ivoiriennes, c'est dans les 250 000, les 100 000. Tu n'y as. 100 000, tu Je vous dis. Est-ce que c'est une histoire qu'on va tourner de midi à 14h Elles savent que je sais. Et c'est pareil. Il n'y a pas. Si vous voulez, on peut mettre un si même plan d'action en ligne. Vous me choisissez la meilleure blogueuse ivoirienne. Le problème, c'est que la meilleure blogueuse ivoirienne, tout le monde sait qu'elle vend le piment. Elle lui dit Oh, il faut qu'elle vende. Citez-moi cinq blogueuses ivoiriens qui ne... Il dit que les cinq blogueuses ivoiriennes, les vendeuses de piment international, on commence d'abord par la soeur de Makoso. Makoso, c'est pas celui-là, il court, donc il ne peut même pas... Va... Ça pas le planter, il ne peut pas passer. On commence d'abord par... Ce n'est pas qu'il est dévié. Je vais rassembler tous ces blogueuses afri... africaines-là pour les mettre dans le même lot. On commence d'abord par la soeur de Makoso. Elle s'appelle encore comment, la... La petite bordelle, là. Comment elle s'appelle encore Pardon, rappelez-moi un peu la petite bordelle, la soeur de Makoso. Euh celle qui a six pères avec cinq enfants, là. Comment elle s'appelle euh, Pardon, écrivez-moi son nom. Euh, comment... Oh, putain, que son nom. Il n'aime pas quand son nom ne vient pas. Euh... Oh, merde, 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 merde. Pardon, écrivez-moi le nom de la soeur de Marco Sola. Mm. Oui c'est l'une des premières blogueuses, maman. Cinq enfants, six pères. Cinq enfants, six pères. Parce qu'il y a une combinaison terrible dans le deuxième et le dernier enfant. Euh, lolo. Lolo Beauté. Voilà. Lolo Beauté. Voilà la première de Waka. Les Malouès. Les Keita. C'est-à-dire qu'un contenu de Waka. Quand tu, quand tu regardes les brokers, les brokers les, les les ivoiriennes, que des bordels, des bordels, des bordels, des bordels, des bordels. C'est eux qui ont commencé ça. Les Camerounais ont seulement adapté. Les Camerounais ont seulement adapté le wake machin, truc. Mais le premier bordel dans les réseaux sociaux africains, c'est eux qui ont développé la prostitution, ce sont les Ivoiriennes. Parce que les Camerounais ne parlent pas. Il faut qu'on se just nos vérités La première, c'était l'olo. Oui, Lolo, la sœur de Makoso, c'était la première bordelle. Maman, quand tu regardes et quand tu, et les autres se sont alignés, tous. Il n'y a pas une blogueuse ivoirienne qui ne vend pas le piment. C'est un camerounais encore honte. Je vous ai dit, montrez-moi, donnez-moi le nom d'une seule, le nom d'une seule blogueuse ivoirienne qui ne vend pas le piment. Elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Et le piment est tellement moins cher encore. Tu sais, nous, on les camerounais, encore encore honte. Nous, les Camerounais, nous avons encore honte qu'au 8,40, 20 000, Mais les Ivoiriens, ils ont fini avec. Elles ont fini avec. Elles se déchirent les clients. Les bagarres à Dubaï. Entre blogueuses ivoiriennes. Vous pensez qu'elles partent à Dubaï fait quoi Blogueuses camerounaises, encore, elles ont honte de discuter avec les clients. Mais les blogueuses ivoiriennes ont dépassé la fête qu'on discute. Elles bagarrent pour les clients. Pour ne faire, quoi Les blogueuses ivoiriennes ne travaillent pas. Je vous ai dit quoi que pour connaître si une blogueuse ivoirienne est prostituée, c'est simple. Soit elle ne travaille pas. Soit elles sont dans la parfumerie, dans la cosmétique, dans l'affaire de mèche, dans l'affaire de décapage. Quand vous regardez tout ce que je viens de vous dire là, est-ce qu'il n'y a pas les blogueuses Est-ce que la soeur de Makoso, Lolo, elle n'est pas dans le décapage Oui. Elle n'est pas dans ça. Vous parlez de quoi Non, parlons peu, parlons bien. Parlons peu, parlons bien. Jusqu'à quand malheureusement, les gens vont vous. Vous, 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 voulez, vous voulez respecter pourquoi Dites-moi un peu. Il a dit que le, 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 brassard, le brassard de la prostitution des réseaux sociaux, c'est ivoirien. C'est ivoirien. C'est même pas pour rien que ça en orange. C'est les ivoiriens qui ont le brassard de la prostitution africaine. Parce que les stars n'ont pas. Elles passent même dans leur télé. On sait que l'autre a vendu le piment à Dubaï. On sait que l'autre a bagarré avec l'autre à Dubaï. Elles viennent parler. Les Camerounais encore ont honte. Les Camerounais encore ont honte. Vous parlez de quoi Vous parlez même de quoi même Parlons peu, parlons bien. Donc on vous dit que c'est votre nouveau métier. Vous pensez que. Vous pensez que quoi Aucune blogueuse africaine ne travaille. Aucune blogueuse ivoirienne ne travaille. Aucune. Dites-moi le nom d'une blogueuse ivoirienne qui travaille. Aucune ne travaille. Elles sont dans le piment matin, midi, soir. Le piment matin, midi. Celles qui sont encore à Paris, elles ont fini avec. Celles de Paris, elles gagnent dans le 93 au matin. À midi, elles gagnent dans le 94. Le soir, la reine de dans Paris. Voir son travail toute la journée. La plupart de leurs gibiers, c'est les gars arabes et les Camerounais. Certains Ivoiriens, même ces hommes d'affaires, tous ces ministres ivoiriens, tous ces ministres ivoiriens, ministres camerounais tout ça, ils font quoi? Ils font quoi? Et c'est encore les mêmes gens qui vont venir, euh, quand on va les dire certains ils vont se réserver pour dire que, oh, ce que le gars dit n'est pas de ce que le gars dit n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Demandez à un Ivoirienne de vous montrer son train de vie. Et vont sembler encore qu'on peut faire. C'est pour ça que quand Facebook paye, mais le Facebook paye combien même la blogueuse camounaise qui touche le plus dans Facebook, c'est Natacha de Monaco. Natacha de Monaco, tu fais de 4500 euros par mois. On prend maintenant chez les autres, un gars. Une blogueuse ne travaille pas. Une blogueuse passe toute sa vie dans Facebook. La maison, vous pensez que ce qu'on donne dans Facebook, c'est la maison qui paye ça Les petits contrats, c'est la maison qui paye ça Non. Ce n'est pas la maison qui paye tout ça, là. Mettez-moi encore l'eau dans le tapioca là. Mettez-moi encore. Je, vois, je sens que le tapioca est gonflé 1200. Le tapioca est gonflé à 1200. Gonflé, 1200 mon frère, mets-moi l'eau dans le tapioca là. Nous, nous les blogueurs camerounais, amers Vous connaissez comment moi je suis. Je viens de te taper ça sec, je ne gère pas. Que, je ne gère pas le retour. Mon, mon, mon ventre n'est pas le congélateur de quelqu'un. Mon ventre n'est pas le congélateur de quelqu'un. Vous parlez de quoi Avant d'arriver sur Coco. Mais c'est un moyen vous faire un recapitulatif général de la vérité des réseaux sociaux. De vous faire le recapitulatif. On voit les blogueuses, que en train de la raconter. Maintenant, les blogueuses sont devenus des stars de la prostitution. Vous passez à la télé. Est-ce que les gens à la télé savent ce que vous faites même vraiment Parce que s'ils appellent en deux-deux, là, on va m'envoyer tous les dossiers même de la Côte d'Ivoire. C'est parce que moi, ne parle pas. Quand ils parlent de la Côte d'Ivoire, ils parlent souvent de ce qui est mauvais en Côte d'Ivoire. Et que les femmes qui ont installé la prostitution dans les réseaux sociaux, ce sont les Ivoiriennes. Ça, on ne peut pas lever ça dans la tête des gens. Ce sont les Ivoiriennes qui ont installé la prostitution là-dedans. Les Ivoiriennes ne travaillent pas. Elles font comme les, les, les blogueuses camerounaises aussi. Aucune ne travaille. Aucune. Quand elles qu travaillent, elles font Bangles de mèche, vendeuses de n'jansan, masseuses. Elles tournent toujours autour du corps. C'est une manière de te dire que as là, quand tu as l'argent, tu viens. C'est mal parlé. Si on a parlé comme ça, c'est qu'on a mal parlé. Est-ce que dire la vérité, c'est mal parler de quelqu'un? C'est la question que vous voulez me poser. Que ce gars Kamer, il a une mauvaise obligation. Est-ce que je parle mal? Il vient entre parler mal et dire la vérité. Je dis la vérité ou je parle mal? Je, je, je vous pose encore la question. Je dis la vérité ou bien je parle mal? Je dis la vérité. Je dis la vérité. Et c'est comme ça que ces bordels induisent nos petites femmes d'erreur ici. Aujourd'hui, on veut s'identifier à tous ces vieux bordels des réseaux sociaux. Toutes ces grosses prostituées des réseaux sociaux, tout le monde veut s'identifier à elles. Eh, hey, il faut vous réveiller. Hein. Allez chercher un vrai travail. Montrez ce que les revenus... Demandez d'afficher leurs revenus. Demandez-leur d'afficher leurs revenus. Elle veut se faire passer pour des filles et comme importantes. La patronne de PDG. L'avocat de PDG de la prostitution, Natacha de Monaco, c'est ma personne. Je respecte son point de vue. Elle défend les prostituées. Mais ce n'est pas parce qu'elle défend les prostituées qu'on ne peut pas parler des prostituées. Oui la défenseur des prostituées camerounaises, c'est Natacha de Monaco. est africaine même. Elle le dit haut oh, et fort. Mais c'est ma personne. Mais ça ne peut pas que juste la vérité. Elle sait qu'à mer, c'est un gars vrai. La prostitution, on a les réseaux sociaux. C'est les Ivoiriens. Les Ivoiriens, on a envie de parler des Ivoiriens. Mais là, on revient à mon secteur naturel. Je reviens de mon côté maintenant. Vous pensez que les artistes camerounais vivent comment La plupart des artistes camerounais ne travaillent pas. Les artistes africaines en général ne travaillent pas. Elles mangent l'argent comment Elles mangent l'argent comment Première question. Elles font comment pour financer les albums Deuxième question. Vous pensez que les hommes d'aujourd'hui financent les albums gratuitement Vous pensez que les hommes d'aujourd'hui financent les albums gratuitement Mais là, vous blaguez. Vous blaguez Les artistes... Africaines. Celles qui ne sont pas, même quand elles sont populaires, quand elles sont devenues populaires, elles, elles restent dans le, dans, le, dans le chantage des anciens jours Elles restent dans le chantage des anciens jours C'est ça la réalité. Quand on vient parler comme ça, c'est pour que vous changez. C'est pour que vous arrêtez de vous prendre pour ce que vous n'êtes pas. Arrêtez de montrer à nos enfants, arrêtez de montrer à nos petites soeurs là derrière. Que les réseaux sociaux, ça donne l'argent. On sait que c'est faux. C'est le travail qui donne l'argent. Ce n'est pas les réseaux sociaux. Ce n'est pas les réseaux sociaux. Regardez même un truc très simple. Si tu prends les TikTok, tu prends TikTok. Tu prends Facebook. Toutes ces filles ont les seins dehors. Il dit que toutes ces prostituées ont les seins dehors. Il n'y a pas une... Il dit qu'elles montrent la marchandise. Viens goûter ici c'est un troncanda, viens goûter ici c'est sans os, viens goûter ici c'est poisson salé elle montre tous aujourd'hui. Tu ne peux pas voir une brogueuse s'afficher sans mettre le soutien, les 5 dehors. Elle met les fesses dehors les 5 dehors, qu'est-ce qu'elle ne met pas dehors Qu'est-ce qu'elle ne met pas dehors Mettre les gros seins là-dehors. Vous parlez de quoi Vous parlez de quoi Vous pensez qu'une une fille, quand un chitok met les 5 dehors, Viens avec 10 000, on te donne le 5 de 10 000 tu lui avais 20 000, on te donne une tote de 20 000. Tu lui avais 100 000, on te donne le tote de 100 000. Tu lui avais 200 000, on t'appelle manager. Tu lui avais 1 million, on t'appelle mon parrain. En fonction de ce que le gars donne à l'anga, son nom prend de l'ampleur. Quand tu entends une chanteuse ou une qui dire que ça c'est mon parrain, ça veut dire que le gars la donne l'argent là-bas. Ça veut dire que c'est un tote qui est certifié par son nom. Ça veut dire que c'est le genre de personne qui est comme ça. Oui, es où là. Ok, bon, je suis au Hilton là. Tu peux passer tu dans deux heures. Ok, merci, au revoir. Il ne cherche pas à savoir avec qui l'artiste est. Quand il colle seulement, l'artiste se déplace automatiquement. Quand tu entends que non, ça c'est mon parrain. Quand tu entends une, non, une chanteuse dit que ça c'est mon parrain, petit frère, ne te trompe pas. Ça veut dire qu'il a certifié le Nton de Langala. On certifie un million. Oui, quand on t'appelle manager, ça veut dire que tu n'as pas la certification, tu as le goûtage réciproque. Ou bien le, goût, le goûtage au constant, mais tu n'es pas. Mais tu n'es pas dans. C'est-à-dire que tu, tu, tu n'es pas dans ce qu'on appelle que non, tu certifies le top. Non. Tu as le genre que tu peux appeler l'artiste ou bien tu peux appeler la blogueuse. Elle te dit que, bon, non, écoute, bon, euh, je ne peux pas passer maintenant, bon. Mais je passerai tout voir le soir. C'est parce qu'il donne l'argent. Mais son argent ne lui permet. L'argent qu'il donne à l'anga ne lui permet pas de donner certaines conditions. Et il y a les nounounous comme ça. On a dit le bas-peuple. C'est-à-dire que nous, les gars qui donnons les, les, les 50 euros pour, pour, pour côté des gars populaires là. Lui, quand tu appelles, lui, c'est comment tu as ou non euh, Bon, passe demain, je ne sais pas. Je, je vais te dire, je vais te dire. Vous pensez que quoi C'est que vous, ça c'est la réalité Vous pensez que c'est les blacks Ce n'est pas les blacks. Chaque explication a un nom par ça, ça c'est non, manager, ça, c'est non, Moi, bah, ça, c'est mon nom. Quand tu entends un gars aussi, quand tu entends une chanteuse aussi ou bien un blogueuse, tu oh, ça, c'est mon frère. Non. C'est que c'est un gars que quand il a Ignace, quand il n'a pas Ignace pas, là, on l'appelle mon frère. C'est seulement dans les occasions positives, dans les occasions positives. Là, on l'appelle mon frère parce que Ignace de fois, il n'y a pas. Ignace de fois, il n'y a pas. Ignace de fois, il n'y a pas. Donc, là, on va l'appeler mon frère. Oui. Elles ont classifié ça. Regardez TikTok. Oh, mon, mon, mon truc, on va faire ça. Regardez. Tous les TikTok que vous pouvez voir. Ouais, ça m'énerve seulement parce que c'est dans l'autre téléphone. Ça m'énerve parce que c'est dans l'autre C'est là le téléphone où je suis en train de faire le live. C'est pour ça que ça m'énerve. Vous allez voir. Dans tous les TikTok. Prenez TikTok. Regardez seulement les 100 premières TikTok, des Tiktokuses, Les 5 du haut, les 5 DO sur haut. Attends, on va aller vérifier sur Facebook. On va aller vérifier sur Facebook. Vous prenez même. Vous prenez même le nom de, 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 de. Je vais taper, attends. On va taper un nom populaire sur. On va taper un nom populaire sur. Bon, je vais mettre Nathalie. Je vais mettre Nathalie au Non, je vais mettre non. Je vais mettre un nom africain. Je vais mettre. Douala. Non, pourquoi ne pas me mettre Douala? Je mets Iyenga. Parce que c'est le de la prostitution. Iyenga. Voilà. Je mets recherche sur Facebook. Voilà. Non, bah, je me vois et tout. Voilà. Regardez, je veux non, ne pas je veux pas mettre le nom pour ne pas. Je ne veux pas mettre le nom. Tapez Yinga sur Facebook. Vous voyez ce qui s'affiche. Allez sur TikTok. Les TikTok populaires. Les cinq sont dehors. Tout le Jésus est versé dehors. Vous pensez qu'elles font ça pourquoi Vous pensez qu'elles font ça pourquoi les filles, elles te fondre, là. Elles peuvent sauter leurs lèvres, elles mettent leurs gros, elles mettent tout. Est-ce qu'elles sont différentes des filles qui se prostituent en route Est-ce que les blogueuses sont différentes de celles qui se... Non. Les wakakis qui sont en route ont le trottoir. Les wakakis qui se prostituent dans les réseaux sociaux ont les réseaux sociaux comme route. Le trottoir et les réseaux sociaux, c'est Internet. Elles sont sur le terrain, les autres sont dans le terrain du virtuel. Même combinaison. Donc, quand toi, tu te lèves pour aller mettre ton cœur sur une tiktokuse, ou sur une blogueuse, tu comptes sur quoi? Quand tu te lèves pour enlever, tu peux enlever ton cœur, là pour dire que toi, le gars, je m'en m'en un mot, une tiktokuse, tu comptes sur quoi? Petit frère, l'engagement un patron. C'est-à-dire que tu peux prendre un colis qui est déjà enchaîné. Quand tu te lèves pour aller prendre une tiktokuse, elle te dit que j'aime mon parrain, j'aime mon manager, j'aime mon frère, j'aime mon, mon frère sujet. Elle te donne d'abord la liste de tout ce qui l'agnace. De tout ce qu'il a, elle te donne d'abord la liste. Et la plupart de tout ce qu'il a, sont mariés. Voilà comment toi, tu sors avec une TikTokuse, tu sors avec une blogueuse, tu penses que tu sors avec un gars. Petit frère, tu sors avec le quartier. Tu sors avec le quoi? Continue à sortir avec les blogueuses. Les blogueuses, ce sont les gars que tu niastes ou pas. Quand tu as l'argent, tu viens, tu tramponnes un peu, tu qui tu pas. Parce que les blogueuses et les chanteuses et tout ce monde-là, on appelle ça, c'est le, le chantier du peuple. C'est le chantier de ceux-là qui ont les jetons. C'est le chantier de ceux-là qui ont les jetons. Vous allez me faire quoi Vous allez me faire quoi Rien. C'est la vérité là que vous n'aimez pas. Et vous, vous ne cachez même plus vos vies. Vous ne cachez même plus vos vies. Quand vous écoutez d'abord les voix de Coco Labo sur Coco à chanter. Vous écoutez les voices de Pamagouya, de Dieu Cyclone, sur son ex-femme, Lady Ponce. Écoutez leurs voices. Et que c'est que sa mère elle, qui, parle, qui fait les voices. Non, c'est que les voices qui dans leur couple pour ça se commode. Ou quand, attendez, oh, je vais encore vous le sortir, ce, ce voice-là. Attendez, je m'avais je sur YouTube. YouTube, je mets. Euh, Dieu Cyclone, attendez, je cherche YouTube, je mets Dieu Cyclone. Vous allez écouter. Vous pensez que c'est ce que Dieu Cyclone dit là Il invente, il n'invente pas. C'est la réalité de tous les artistes camerounaises. Les autres cachent seulement. Attendez, je mets Dieu Cyclone. Voilà. Euh, un plus. J'ai une personne attendez. qui dépense... Mais j'ai pris ça sur le dos. Ça, c'est un exemple. Hein, pour vous Personne dire. Écouté. on commence l'Impia sans un franc. Un moment. Je vois, elle envoie un message à un certain Raphaël Abuel. C'est sur Facebook. C'est sur c'est sur YouTube. Tu vous tapez seulement Confidence de Dieu Cyclone. Vous avez tout. Et vous allez remarquer que ce que Dieu Cyclone dit, ce que je dis, ce que Malox a dit, ça coïncide. On n'a pas inventé le soleil. Hein. Non, on n'a pas inventé la roue. Nous, on a trouvé que la roue était déjà là. Mais que ces fille a arrêté. dans les réseaux sociaux. De toujours... Bon, ça commence à ralentir. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Je ne vois plus les écritures. Envoyez les cœurs, envoyez les je ne vois plus les écrits. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Pardon, poussez moi un peu. Euh, oui, je vais t'appeler tout à l'heure, Narcisse. Envoyez, les. Envoyez les cœurs. Je ne vois plus les. Ouais, est... merde. Pardon. Merde, je ne vois plus les. Je ne vois plus les écrits. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, s'il vous plaît.